On est de retour, on va tout de suite enchaîner avec la deuxième partie de cette émission, Nemanja Radonjić. Alors voilà, est-ce qu'il faut être très sévère avec lui, avoir un petit peu de clémence, ou est-ce qu'il est tout simplement gênant, comme on a peut-être titré de part... Comme on a titré, il n'y a pas de... On a peut-être... Je prenais quelques pincettes, voilà. Non, non, mais parce que j'ai vu des gens qui se sont... on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Allez, vas-y. Et le phocéen, vous êtes sérieux, il est gênant, les gens sont outrés. Non, alors, il faut différencier quelque chose. On a le droit de dire, après un match de quelqu'un, il n'a pas été bon, il est gênant. Ça ne veut pas dire, il sera nul toute sa vie, ça ne veut pas dire... On parle du match à Nice. Sur le match à Nice, effectivement, en termes de football, j'avais envie de regarder à côté. Je me suis dit, est-ce qu'on a fait jouer le fils d'un... Ça ne veut pas dire Radonjić, il est nul toute sa vie. Il va être... Il après, c'est rien. Aussi les conséquences du match à Nice et aussi de ces mauvaises entrées qu'on a pu voir récemment. Bien évidemment. Ce que je veux dire, on a un exemple clair pour ça à l'Olympique de Marseille, c'est César Azpilicueta, parce qu'un jour, Dimeco a dit, si un jour il est international espagnol, je mange un rat. Qu'il avait mangé d'ailleurs. Qu'il a mangé du coup. Parce que pour lui, ça voulait dire, il sera toujours nul comme il était nul au début de l'OM. Mais on avait le droit de dire, Azpilicueta, quand il est arrivé à l'OM, il était nul. Et puis un jour, il est devenu bon. On a le droit de dire, il est bon. C'est pas je retourne ma veste, quoi que ce soit. On regarde le match de Nice. Sur le match de Nice, Radonjić, il est nul. Okay. Je suis désolé. Après, je dis pas toute sa vie, il sera nul. Mais c'est intéressant pour rebondir sur ce que tu dis, l'histoire d'Azpilicueta, parce qu'il a fallu quand même presque un an pour qu'on voie un autre joueur, un an et demi. Récemment, rappelle-toi, on a eu même un petit débat. On s'amusait sur Rekik. On en a parlé aussi récemment, qu'on a descendu, qui pendant deux ans, l'OM, comme on a dit, n'a pas été bon chez nous. Et qui aujourd'hui fait les très beaux jours du Hertha Berlin, qui est une équipe qui joue le haut du championnat en Allemagne. Je vois pas les matchs perso. C'est pour ça que je te dis, je peux te dire, déjà la saison dernière, il avait été élu, ils avaient pas très bien compris comment ils avaient fait pour recruter 5 millions d'euros ce jeune défenseur. Et cette année, c'est carrément le patron de la défense avec un autre international espoir allemand. Ils forment une très bonne charnière. Tout ça pour te dire que Kalaitakar a du mal aussi, Radonjić a du mal, Azpilicueta a mis du temps, Karim Rekik a été, on n'en parle pas, une énigme chez nous. Je me pose quand même la question de savoir si on est capable d'intégrer à l'Olympique de Marseille des jeunes espoirs européens ou étrangers à fort potentiel. Parce que je me rends compte que tous ceux qui sont passés sous la houlette de l'OM régulièrement, on dit ça marche pas chez nous. Ça marche pas, tu vois. Donc là, Radonjić et Kalaitakar, ça fait que quelques matchs. On va leur laisser déjà toute cette saison qui puisse s'adapter en espérant que rapidement. Mais là, j'analyse, moi, voilà, depuis le temps que je regarde l'OM. Vous savez très bien ici que je suis fanat de ces jeunes pépites, comme on en parle souvent. Mais je trouve qu'on a souvent du mal à réellement les faire éclore chez nous. Alors, quelle est la problématique? La seule chose qui me gêne dans ce que tu dis, c'est quand tu dis à fort potentiel. Alors, je ne le connaissais pas plus que ça, mais je me rappelle que Chris Champy m'avait appelé pour faire une petite analyse. J'avais dit, ça tombe bien parce que j'ai vu les deux matchs Étoile Rouge de Belgrade contre les matchs de Salzbourg préliminaires. Et je l'avais trouvé, pour le coup, dans son club, là, dans ses derniers matchs où il pouvait, voilà. Mais alors, quelconque, très moyen. Donc je me disais, putain, le mec, il est chez lui. Et là, maintenant, forcément, avec l'intégration que tu mets en avant, c'est compliqué de juger ce joueur positivement. On a une remarque sur le forum, hashtag LiveTalk. Posez-nous vos questions, faites-nous vos remarques. Jojo, c'est 45, j'allais dire 54, aucun rapport. Radonjić est-il le NJ bis? Gros potentiel, mais peu d'intelligence dans le jeu. Il dit pas de bêtises, ce gars. Sur en tout cas, ceux qui connaissent Radonjić, qui l'ont vu jouer avant, comme a dit Max, c'est vrai qu'il a vu deux matchs. C'est compliqué de se faire un avis énorme. Moi, quand tu m'avais posé la question sur Vosséen, je t'ai dit, c'est vrai que c'est un joueur qui m'a pas. Je dis pas que j'ai la science infuse, mais qui n'avait pas retenu mon attention sur les jeunes espoirs. Par contre, je l'avais vu jouer 4-5 matchs en espoir avec la Serbie. Et c'est vrai que ce que j'ai vu hier, c'est ce que j'avais déjà vu de lui. C'est-à-dire un gars qui va tout droit, qui est assez maladroit, assez brouillon dans ses dribbles. Alors, c'est vrai qu'il avait commencé la saison avec Belgrade avec quelques stats intéressantes à la finition, mais c'est vrai que c'est pas un joueur sur qui je me dis on peut mettre 12 millions d'euros parce qu'on n'a pas un gros portefeuille noir. J'aurais pas fait, mais en même temps, je sais pas si vous allez être d'accord, vous allez certainement pas être d'accord avec moi, mais tu vois, sur NJ, pour répondre aussi à la question, dès le départ, j'ai jamais eu trop ce feeling de me dire ça va le faire. Lui, je dis pas que ça va le faire, je suis loin de ça, des fois, sur certaines actions, tu te dis il y a quand même quelque chose, pourquoi pas le faire progresser à tel point que ça, c'est. On va écouter Rudy Garcia et après René nous donnera son avis quand même sur le cas Radonjić. Rudy Garcia qui lui a rendu un bel hommage en conférence de presse, vous allez voir. Je crois qu'on peut pas faire de bilan sur le match de ce soir. Il nous manque pratiquement 4 titulaires, donc on peut pas juger de l'équipe sur ce plan-là, en tous les cas. Par contre, on peut juger sur son état d'esprit, son mental, son abnégation. Je crois que Radonjić a dû battre le record de kilomètres parcourus et d'accélération dans un match du monde entier de l'histoire du football ce soir.
il a été fantastique à ce niveau-là, même si offensivement il perd en lucidité et puis qu'il y a encore beaucoup de travail avec lui. Mais voilà, n'oubliez pas que j'avais Ngie Ocampo et Thauvin à la maison et que on a réussi à marquer sur peut-être notre seul tir cadré du soir, je sais pas. On regardera les stats. René, il a raison, Rudy. Non, mais qu'est-ce qu'il a raison? Moi, t'aimes pas les déclats de Rudy Garcia? Non, moi, en tant qu'entraîneur, les déclarations de Garcia, je ne les comprenais jamais. D'accord. Voilà. Il a fait tant de kilomètres de toute l'histoire du football français, mais il s'en bat les couilles de ça, je veux dire. Si c'est prendre un mec qui court, on met Max sur le terrain. Je veux dire, c'est dit, hier, la seule chose qu'il a faite, et encore, il a eu du cul, c'est quand il a fait ce passe à Sarr. Qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Mais en plus, c'était pas si belle que ça la place. Heureusement que. C'est ça, on l'a fait pas contre. Ah oui, pas certain qu'il voulait faire ça. Elle n'est pas dans la course de Sarr, elle est sur Bounassa. Ouais. Et heureusement que Sarr, il l'a récupéré. Mais c'est pas... Moi, il cavale. Mais j'ai tendance quand même, tu vois, à être un petit peu attentif par rapport à ce joueur. Plus attentif par rapport à lui. Que par rapport à Caleta-Car. Caleta-Car, j'ai aucune confiance en lui. Tu n'as aucune confiance en lui ? Non. Ah bon ? Moi, c'est l'inverse. Je... Alors, ah bon ? Pourquoi, Kevin ? Vas-y, Kevin. Moi, c'est l'inverse. Là, aujourd'hui, Caleta-Car, voilà, là, je peux en parler parce que lui, vraiment, j'ai vu, ça fait deux saisons, j'ai regardé beaucoup de matchs de Salzbourg. Et c'est vrai que. Il n'a jamais été rapide non plus à Salzbourg. Il ne faut pas s'attendre quand j'entends il est lent ici, là, sûr qu'on n'a pas récupéré le défenseur le plus rapide. Là, j'ai l'impression que lui, il faut qu'il se mette vraiment au diapason du championnat de la Ligue 1, qu'il comprenne que c'est vraiment un combat de tout instant, tous les week-ends. Et j'ai un problème avec lui au niveau de l'agressivité. Parce que tu le vois quand même que c'est un joueur intelligent, oui, dans le match qu'il a fait à Lyon, jusqu'à qu'on se prenne le bouillon à Lyon, tu le vois qu'il était intelligent dans la relance, sur ses placements. Il a quand même un beau gabarit, mais là. Quand tu fais mettre 92-90 kilos, il faut que les attaquants ils les prennent, ils les fassent voler le dimanche. Il faut vraiment qu'ils se mettent au diapason de la Ligue 1, qu'ils comprennent que c'est un championnat très physique et agressif. Mais pour toi, il peut le faire, donc. Pour moi, il peut le faire. D'accord. Mais juste pour terminer sur Radonjić, moi, la problématique qu'il y a, après, je laisserai parler, c'est qu'en fait, au-delà de lui, c'est qu'entre lui, Ocampos et Ngie, la vraie problématique que j'ai, c'est qu'à E3, ils font pas un véritable très bon joueur à gauche. C'est-à-dire qu'à E3, ils ont chacune des qualités et des défauts. Et là, la vraie problématique pour moi, l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire de ne pas avoir trouvé un véritable milieu gauche ou ailier gauche de très bonne facture et d'avoir encore tenté un pari, sachant que Ngie et Ocampos ont des qualités, mais aussi beaucoup de défauts. D'accord. Moi, mais je te dis, fois, je vais à l'heure actuelle, pour moi, Ocampos. Ah, il est largement supérieur. Il a la place de titulaire à part entière sur le latéral gauche. C'est fou de se dire ça quand même. Ouais. C'est la preuve qu'on n'a pas. Ailier gauche, pardon. On va conclure là-dessus. Mais oui, voilà, on va concernant. Conclure sur ta phrase plutôt, Romain. Sur Radonjić, il y a peut-être un potentiel à exploiter, à voir. Pour l'instant, on a quand même le droit de dire qu'on est sur notre fin. Voilà, c'est tout. Ah oui. Et que ça ne correspond absolument pas aux attentes. Et que c'est gênant d'avoir un élément offensif de ce niveau-là sur un tel match. Merci, Romain. On va quand même demander. C'est ce que disait tout le monde, quoi. En fait. Comment ? C'est ce que nous disent tous. On va demander quand même l'avis à nos suiveurs sur le Fosséen, évidemment. Est-ce que après ce match, vous avez envie d'être sévère ou clément avec Radonjić ? Tiens, donnez-nous votre avis. C'est Rémi Chabert qui va gérer ça sur Twitter. On finit par une anecdote parce que la tendance générale, c'est de dire « Non, mais attendez, il est en difficulté, mais il va exploser, patience et compagnie ». Ça mange pas de pain de dire ça, ça te coûte rien. Et puis comme ça, le jour où Radonjić explose, tu pourras te targuer d'être le premier à l'avoir dit. Petite anecdote à ce sujet. Rapide, quand Modou Sougou a signé à l'Olympique de Marseille, il y a un dirigeant de l'Olympique de Marseille, que je nommerai pas, qui m'a dit « Ouais, mais attends, Modou Sougou, tu vas voir, c'est un monstre. De toute façon, Porto voulait nous le prendre, mais on n'a pas réussi. Ça, c'est l'OM. Dès qu'on tente des paris, on nous défonce d'entrée de jeu et compagnie. Mais vous allez voir, Modou Sougou, ça va exploser. Merci. On n'a pas la culture de Porto. » Bon. Merci, Romain. On a la suite de la carrière de Modou Sougou. On a eu le débat sur Radonjić. En tout cas, messieurs, je vous le dis, moi, attention, parce qu'il va exploser. On le souhaite. Il y a des joueurs qui n'ont pas besoin de temps d'adaptation aussi. Ça, on a le droit de le dire aussi. Parce que, ce qu'on appelle un bon recrutement. Voilà. Exactement. On passe tout de suite à celui, par contre, qui a fait peut-être son meilleur match de la saison, n'ayons pas peur des mots. C'est Bounassa, qui continue à être très bon au poste d'arrière droit, mais très bon jusqu'où ?